À ce stade-ci, si vous me suivez le moindrement, vous doutez pas mal que présentement, on est la veille du voyage et qu'il est 10h30 le soir. Est-ce que ma valise est faite? Je penserais pas. Donc, je pense qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. À vos marques, prêts, c'est parti! Pour 4 jours, et voici ce que j'amène. I know, je vous entends déjà dire que j'exagère. C'est le retour de Peachy, mesdames et messieurs! Est-ce qu'on est excité du retour de Peachy? Je pense bien que oui. Surtout que le jeu va se jouer avec 11 personnes durant ce voyage-là quand même, hein? Il est présentement 9h35 du matin. On s'en va chercher les filles parce que dans notre auto, il y a Marie et Jen qui viennent nous rejoindre. Fait que là, on s'en va les chercher et c'est parti! Bien. Hola! Salut! Hi! Yo la gang, on est arrivés et je suis en mode festivité, comme vous pouvez bien le voir. Gros props à Mathieu, notre ami qui a réservé ce Airbnb là, c'est insane. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien si ça vous intéresse de le louer dans le futur, parce que quand j'étais partie en Cali puis j'avais loué des Airbnb, j'avais eu beaucoup de questions sur où on avait dormi. À l'entrée, ça ressemble à ça. C'est tellement cutie. Alright, ici c'est la cuisine, puis je vais aller vous montrer les chambres tout de suite. Donc en haut, toi aussi t'es en mode festivité? Moi je suis déjà prêt. Fait qu'il y a 3 petits lits simples et c'est là que les filles vont dormir. Ici c'est une deuxième chambre, fait qu'il y a un des doubles ici, mais il y a également un petit recoin, puis il y a un petit lit ici, qui est aussi une chambre de Harry Potter si vous le considérez avec la forme. Et là je vais vous montrer l'autre chambre et le salon. C'est pas accepté. Oh, c'est cutie! La petite véranda! Et ça, c'est la salle de bain. Et sur ce, que les festivités commencent! Hey, salut! Comment se passe ton expérience? Absolument pas, mon ami. Ben, merci, bonsoir. Alright. Y a-tu assez de bouffe, tu penses? Non, pas assez. Bonjour. Bonjour. C'est un peu lourd. Toi, ton carburant la semaine, c'est les Twisted Tea? Yeah. On va couper du brocoli. C'est l'heure de me gorger! Impossible! Impossible! Une table de 12, il y a une personne! Ça va? Yeah. C'est ma première bière. Ah ouais.
Bonsoir. Oh! Mais Slam, ça sonnait pas vite, ça. Non, non! Voyons, le slam dunk, toi, matin. Jour 2 de notre voyage au Maine. Hey, mes cheveux sont dégueulasses, je sors de la douche. Il est présentement 9h, on s'apprête à se faire à déjeuner avec la gang et on s'en va à la beach parce qu'on veut passer le plus de temps possible sur la plage dans notre journée. Donc, suivez-nous, c'est parti pour le jour. Non, ça fait tapé ça va? Tu n'es pas un feu ce matin? Brûlé à grandeur du corps, c'est correct. Au moins, on va manger du bacon. Attention, pas de brûler. Bon matin! Mesdames et messieurs, veuillez retirer le chapeau de casquette pour l'intervention de la nationale par M. Charles Pirolet. Hola, we back de la playa. Il est présentement 7h20. Tout le monde vient de prendre sa douche ou s'apprête. On est quand même 11 et il y a juste une douche. Fait que c'est comme une gestion logistique. Mais là, on se fait un petit mini pré-drink, le fun, avant d'aller sur le pier. On s'en va au restaurant. Douda, douda, dou. Alors, les chums de gars, présentement, on est au. C'est quoi le nom du resto? Happy Hour. Au Sunset Bar and Grill. C'est le resto qu'on est allé l'année dernière. C'est fucking insane. On vient manger des lobster rolls et prendre un bucket de même de drink. Laurie, qu'est-ce qu'on mange? Le paradis! On a deux lobster rolls, des onion rings et des tots avec notre petit drink. Ça va, ma chum de fille? Everything's good. Non. We can walk. Oh! Mood. Everything's good. All good. Elle a versé des larmes. Ok, elle pleure. T'as-tu mal à la cheville? Tu pleures-tu? C'est mes lunettes préférées. Sont où? J'ai passé dans les goûts. Ok. Là, hey, ils ont fait ça. Là, ils ont fait. Oh, qu'on les voit! Ah ouais? Non. Fucking déçu! Malade! Nice to meet you! On s'en va faire des malaches! I'm fucking drunk! All good like this, thank you. Comment ça va mon pinkos dans le Grand Orient Palace? Hey, hey, si quelqu'un arrive, tu diras que t'as oublié ton portefeuille.
prison, toi, Martin. Oh! C'est une prison! Prison. Alcatraz, directement. Mais on peut penser à faire qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ça! Ok, c'est des bambous. Des bambous! C'est des bambous! Mais qu'est-ce que c'est? Mais là, il faut rester silencieux. Hey, c'est bizarre, man. Faut parler. Hey, ça bouge! Attention! Aïe, aïe! C'est quoi? Il y a personne qui me... You're trespassing right now. Ah, c'est ça. Thanks, Marquis. Get the fuck out of my fun house, c'est à lui! C'est sa fun house qui a construit cette fun house-là. Update. Après être allé aux arcades et faire des manèges, nous voici à la recherche d'un bar nice. Sur le bord de la plage où on pourrait chiller. Bon matin. Ça s'est mal passé hier. La gang. Il est présentement 10h, jour 3 du voyage. Et moi, hier, j'ai crash vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Checkez-moi, non, je suis dégueulasse. C'est l'heure de déjeuner, par contre, et le déjeuner est déjà prêt, parce que moi, je dormais. Un autre, est-ce moyen? Je vis ma meilleure vie présentement à la gang. J'ai présentement 2h20. Je suis avec mes meilleurs chums à la plage. Mon camion, incroyable. Ton camion, pitoyable. À la cour! Moi pis Mathieu, on est allé dans un commerce. Ouais. Pour acheter de la bière. Et on a acheté un beau cadeau à Marc Etienne. Let me see your donkey roll. Let me see your donkey roll. Let me see that donkey roll. Check ça. Arrange pas pour rouler comme un homard, toi. Finalement, non, on a pas, pas long. Ça peut. Avec mon iPhone 10, je peux filmer, c'est sûr qu'on n'entend rien. Je peux filmer dans l'eau! Oh shit, je suis fucking stressée! Il est présentement 8h30 et on vient de finir de souper, prendre nos douches et tout ça, et de se repréparer pour notre dernière soirée déjà ici. Fucking pas d'honneur de m'en revenir, on a tellement du fun, on a tellement un bon vibe avec la gang. Mais bon, là, c'est notre dernière soirée, fait qu'on va en profiter. Là, on s'en va jouer à Stack the Cup, puis sortir encore. Moi, je vais aller faire des manèges, c'est nécessaire. Tant qu'on aura de l'amour, chasse en Haï. 3, 4. Qu'est-ce qui vient de passer? On est chaud au bateau. Ouais. On est chaud au Rods. On met là-dedans, moi. Il est perdu. Hey, nice necklace, by the way. Thank you, merci. Hey, go, Johnny, go. Hey, Johnny, go, 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 go,
Go, Johnny! Oh, Johnny, go! Go! Ok, la brasse, la colle. Il te reste le papillon. C'est pas du romarin, c'est du basilic. Johnny, t'as oublié d'enlever ton cou en colline noisetier. Il va mourir. Oh non! Non, non, Johnny. Tu as trouvé ça où? C'est le tabouret, ça. Oh, ouais, il était sur le tabouret, c'est tout. Il manque de caoutchouc. Hey, tiens pas, il n'y a pas de caoutchouc après ça. 1 sur 10, on se passe à un machine classique, c'est un complet inconnu. C'est quoi ton nom, by the way? Ouais. Ok, salut. G-Dog. 1, 2, 3, 2, 1. Oh! 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 Hey, chum. Sea Viper. Ça a l'air d'aller au bout. Qu'est-ce qui se passe? Ça me tourne pas. Ok, pour vous expliquer, il y a pas eu une occupation double, like. Et Mathieu vient de faire de hot, il a demandé si c'est la maison des exclusifs. Allô, dernière journée au Maine. Il est présentement 9h20. On est en train de se faire à déjeuner et de tout ramasser, pacter les petits. Laurie a fait des fucking bons bébés. Goal, guacamole, viande froide. Tout ce qui. Maillot, ouais, c'est ça, c'est parce qu'il restait plein d'affaires. Mais pas grand chose. Mais pas grand chose de qui fait de quoi de logique, tu sais. Avec plein de petits fouillis. Oh, Madame Babine. C'est quoi le nom? Mais qu'est-ce que c'est, Babine? Avec Tom. Mais qu'est-ce que c'est, Babine? Ma foi enflée. Je me suis battue hier. Ça a donné. Oh oui. Départ imminent, tout est pacté. Ciao, bye Noël. Bye Noël, c'est plus Noël. C'est fini Noël. Ce fut un très nice voyage, les chummy chums. Sur ce, ben, je pense que je vais terminer le vlog ici. Je m'excuse d'avance s'il était un peu boboche. Honnêtement, j'avais vraiment du fun avec mes friends. Puis comme, c'était un peu difficile de keep up et d'avoir un storyline qui se tenait. Mais ben, j'espère que vous avez apprécié vivre ce petit moment-là de road trip avec nous. Et nous, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Ciao!